jeu, il faut savoir que nous, on compte dans la vie de tous les jours en base 10. Donc la base 10, en fait, on fait des paquets de 10. Donc on fait des unités. Quand on arrive à 10 unités, on fait une dizaine. Quand on arrive à 10 dizaines, ça fait une centaine, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, nous, on compte comme ça parce qu'on a 10 lois, en fait. Donc c'est facile de compter pour nous. Mais en fait, il y a plein d'autres façons de compter. Donc par exemple, on retrouve des traces de civilisations africaines qui, eux, comptaient en fait en base 12. Parce qu'ils avaient eu l'idée de, donc pas de compter sur leurs 10 doigts, mais de compter leurs phalanges. Donc de cette façon comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac, ça faisait une douzaine. Et donc ça, on le retrouve dans des expressions dans la vie courante. Par exemple, on dit une douzaine d'œufs. Donc ça vient sûrement de là, je sais pas, mais ça vient sûrement. Et donc, y a aussi, on retrouve dans la mesure du temps. Donc, je sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi 1 heure c'était 60 minutes? Donc ça, c'est assez embêtant quand on fait des conversions, souvent quand on est jeune. Mais en fait, ça vient d'anciennes civilisations qui comptaient eux en base 60 et qui avaient découvert relativement beaucoup de choses sur le temps et tout. Et donc, on peut aussi se demander pourquoi la base 60, base 60 c'est quand même assez farfelu comme chose. Mais pareil, sur la base, si on a cette façon de compter sur la base 12, on peut faire 5, on peut compter jusqu'à 12, faire une retenue, etc. Et on peut faire 5 retenues de 12. Et comme tout le monde sait, 5 fois 12, ça fait 60. Alors nous, pour notre sujet, c'est on a utilisé la base 3. Donc la base 3, c'est comme la base 10, mais au lieu de faire des paquets de 10, bah, on fait des paquets de 3. Donc on compte en 3 zaines. Donc pour la base 3, on a les coefficients 0, 1 et 2. Et donc du coup, par exemple, en base 3, 21 s'écrit 2, 1, 0. Et donc du coup, notre base bizarre s'appuie beaucoup sur la base 3, mais au lieu d'avoir le 2, eh ben on a le 6 à la place. Et donc le 6 garde sa valeur dans cette base. Donc par exemple, sur le boulier. Donc chaque branche, on va dire, a un poids. Donc cette branche, elle a un poids de 3 puissance 0, donc 1. Celle-ci, 3 puissance 1, donc 3, etc. 9, 27, etc. Et on peut mettre des coefficients. Donc par exemple, là, j'ai mis 0, je peux mettre 1. Ouais, non, c'est dans le sens en fait que ça se met. Donc là, j'ai mis 0, je peux mettre 1. Et là, les boules sont collées, donc je peux mettre que un 6. Je peux pas mettre de 2, par exemple. Donc je peux mettre les chiffres que 0, 1 ou 6. On voit bien que sur le boulier, le décodage est assez facile. Par exemple, si on met n'importe quel nombre, bah, c'est assez facile de coder en utilisant, bah, là c'est 1 fois 3 puissance 2, plus 6 fois 3 puissance 1, plus 1 fois 3 puissance 0. Ça fait 9 plus 6 plus 1, ça fait 16. Ah mince, ça fait... Ça fait 27 du coup. Et 28. Et donc du coup, le décodage est assez simple. On peut décoder des nombres plus compliqués, comme celui-ci par exemple. C'est assez simple en fait, c'est juste du calcul. Et donc on peut remarquer que en fait, ce qui pose problème, c'est plutôt le codage. Donc on peut par exemple essayer de coder les entiers. Donc 0, bah évidemment, c'est 0 fois tout ce qu'on veut, donc c'est rien. 1, bah c'est 1 fois 1, ça semble assez logique. Mais, si on essaye de coder 2, et bah on remarque qu'on a du mal. Donc si on fait ça, on est beaucoup trop, parce qu'on a codé 6 fois 1, ça fait 6. On peut tout enlever et mettre 1 comme ça, mais on a codé 3. Donc on est encore au-dessus. Et on peut remarquer par exemple que 2, on ne peut pas le coder. Et donc ça amène quand même à des questions qu'on ne peut pas coder le 2. Donc on s'est demandé en fait quels sont les nombres qui sont pas codables dans cette base bizarre. Du coup, on a commencé par lister les 20 premiers entiers naturels en base 3 et les transcrire en base bizarre. Et on va étudier les nombres qui ne sont pas codables, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas codables en base bizarre, comme 2, comme 5, comme tous les nombres congrus à 2 modulo 3. Donc on a montré qu'ils n'étaient pas codables en base bizarre.
Et au fur et à mesure, on a trouvé plein d'autres noms qui étaient pas codables et qui respectaient certains principes, comme celui-ci. Donc tous les nombres qui se terminent par 2, 1 ou 2, 1, 0 en base 3, ils sont pas codables en base bizarre. Et pareil, tous ceux qui se finissent, bah, qui contiennent dans leur écriture en base 3 le motif 2, 1, 1 ou 2, 1, 2, sont pas codables en base bizarre. Donc qui contiennent, c'est n'importe où au début. Donc tous les jours, on cherchait d'identifier les critères de non-codabilité pour chaque nom qui n'était pas codable. Donc on en trouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après, on a décidé d'avoir une approche différente. Donc en fait, on a décidé d'avoir une nouvelle approche de la chose. Donc on s'est dit, bah, si un nombre, on peut l'écrire en base bizarre, forcément, il est codable. Donc on a listé un peu les nombres. Comme là, on a fait bah, 0, on peut l'écrire, donc 0 est codable. 1, on peut l'écrire, donc bah, forcément 1 est codable. Après, dans la liste, donc ainsi de suite, dans la liste, donc on voit, on change chaque fois le bit de poids le plus faible, on passe à sa valeur suivante. Et donc, comme ça, on peut lister tous les nombres codables en base bizarre. Et quand on les retranscrit en décimale, on se dit, bah, on peut coder 0, 1, 6, 3, 4, 9, et ainsi de suite. On s'est dit que si on pouvait écrire n nombres, on aurait pu en coder n. Mais en fait, on a justement fait des listes de taille n, qu'on a justement divi enfin, on a compté combien d'entiers de différence ça codait. Et en fait, on retrouve que si on va jusqu'à 3 puissance 5, on peut coder que à peu près 39% de. Enfin, en gros, il n'y a que 39% de fréquence d'apparition de nombres dans cette liste. Et donc, ça pose un problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas l'unicité de l'écriture. Bah, sur le boulier encore, on voit bien que si on fait 9, bah 9 c'est une fois 3 puissance 2, mais c'est aussi 6, 6 plus 3, ça fait 9 aussi. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes d'unicité pour écrire les nombres dans la base bizarre. Et on a réussi à identifier que c'était les deux seuls motifs qui amenaient la non-unicité du nombre. Et on a vu que ces motifs se répétaient à chaque étage du boulier. Et on a vu du coup que pour un nombre très très grand, on pouvait le représenter de 4, 5, plein de manières différentes. Mais c'était juste ces quatre motifs-là qui apparaissaient plusieurs fois dans l'écriture du nombre, et donc du coup c'est pour ça qu'il avait plusieurs façons de s'écrire. On a introduit une nouvelle application. Donc, encore une fois, c'est une application bizarre. Donc cette application, en fait, elle a pour but de prendre un nombre en base 10, le transformer en base 3, et dans son écriture en base 3, dès qu'elle voit un 2, elle le transforme en 6. Donc je sais pas si on a un exemple. Très bien. Donc par exemple, si on prend 15, donc 15 en base 3, ça c'est 1, 2, 1. Donc c'est 1 fois 9 plus 2 fois 3 plus 1 fois 3 puissance 0. Ensuite, l'application bizarre, elle va prendre le 2 et le transformer en 6, comme ça, sans. Et elle va redonner un nombre en base 10, comme arrivé, donc 28. Voilà, on est tombé sur des courbes comme ça. Donc c'est pas des courbes, c'est des nuages de points, il faut bien se dire ça, c'est discontinu. Et donc c'est le résultat de cette application. Par exemple, si on prend 20 ici en base 10, avec l'application, ça fera à peu près 50. Je sais pas, et donc, on peut remarquer qu'il y a des motifs autosimilaires qui se répètent dans cette courbe. Et ces motifs, ils sont pas ici par hasard. Parce que si on prend, par exemple, la liste des entiers codables, voilà, donc on peut remarquer que dès qu'on ouvre une nouvelle troisaine, en fait, on perd. Par exemple, là, si, pour passer de l'entier n1 à l'entier n2, on gagne 1. Pour passer de l'entier n2 à l'entier n3, on gagne 5. Et pour passer de l'entier n3 à l'entier n4, on perd 3. Dès qu'on ouvre une nouvelle troisaine, ça c'est logique, parce que dès qu'on ouvre une nouvelle troisaine, si on appelle ça comme ça, on perd à chaque fois. Et à partir de ça, on a introduit deux suites extraites. C'est des suites extraites un peu parce que dans le même genre, ces sauts qu'on fait, on a défini en fait la suite des U, c'est la suite des sauts. Donc par exemple, U1 c'est 1, U2 ça va être 5, U3 ça va être moins 3, du coup pour aller de 6 à 3 on fait moins 3. Et donc de ces suites un peu dans le même genre que la suite des moins 1 puissance n,
on peut définir deux suites extraites. Donc pour les moins 1 puissance n, c'est assez simple parce que c'est les cas n pair et n impair. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est les cas des n qui s'écrivent sous la forme 3 à la puissance q fois 3n plus 1 et les 3 à la puissance q fois 3n plus 2. Donc on peut assez facilement les définir par leur expression qu'on voit ici. Donc là, ça, c'est les sauts qu'on a vu que ça descendait. Et là, les sauts où ça monte plus. Et donc on a réussi aussi à montrer que tous les entiers s'écrivaient soit de la forme comme ça, soit de la forme comme ça. Donc en fait, ça fait de suite extraite. Mais en fait, dans le même genre que les moins 1 puissance n, ces suites, quand on essaie de les remettre ensemble, et bah, c'est assez chaotique en fait. Et on n'a pas trop réussi à avoir une expression générale de cette suite. Donc là, on a aussi abandonné l'idée de cette application et tout. Donc on essaie de revenir un peu à la base, j'ai envie de dire, parce que on s'est dit, bah, pour transformer un entier en base 3, on fait des divisions euclidiennes par 3. Donc nous, il doit forcément y avoir une opération quelconque qui ressemble à une division euclidienne pour nous permettre de transformer un entier en base bizarre. Et donc en effet, on a développé une nouvelle opération. Donc on a appelé la division euclidienne bizarre. Donc c'est ça se présente sous la forme d'une division euclidienne par 3, mais qui laisse la possibilité d'avoir un reste de 6, mais pas de 3, et pas de 2. Et donc ça se présente comment en fait? Ça se présente sous la forme d'un arbre de probabilité. Donc par exemple, si je fais l'exemple avec je sais pas, 15, en fait je vais tester les 3 possibilités. Donc si je teste le 0, le 1 ou le 6, je regarde 15 moins 0, ça fait 15, c'est divisible par 3, et ben je le divise. Ça fait 5. 15 moins 1, ça fait 14. C'est pas divisible. Je mets une croix. 15 moins 6, ça fait 9. C'est divisible. Je le divise. 3. Et je réitère un peu ce principe. Donc 0, 1, 6. Donc là, 5 moins 0, ça fait 5. C'est pas divisible par 3. Je mets une croix. 5 moins 1, c'est pas divisible. Je mets une croix. Et là, c'est carrément négatif. Donc je mets une croix. Pour le 3. Donc là, je mets un 0, 1, 1, 1, 6. 3 moins 0, c'est divisible, je mets un 1. 3 moins 1, c'est pas divisible, c'est négatif. Je recommence pour le 1. 0, 1, 6. Donc là, ça, c'est pas divisible, ça fait 1. Donc là, ça fait 0, donc là, j'ai gagné, entre guillemets. Là, c'est négatif. Quand j'ai un 0, en fait, je remonte juste les branches de cet arbre. Donc là, j'ai mis un 1. Là, j'ai mis un 0. Et là, j'ai mis un 6. Donc, je peux dire que 15, c'est 1, 0, 6. En base bizarre en fait. Et donc cet algorithme, on a parlé tout à l'heure de non-unicité. Et donc si je prends par exemple 9, bon, c'est assez long comme vous voyez donc je vais pas le refaire, mais si je prends 9, on aurait vu deux branches qui se terminent avec un 0. Et en remontant, on aurait vu les deux différentes écritures de 9. Et pareil pour la non-codabilité, les nombres non-codables se terminent qu'avec des croix à la fin.